mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. À l'initiative d'un groupe d'artistes, des dizaines de milliers de personnes ont arpenté les artères de Port-au-Prince, Delma et Pétionville hier dans le cadre d'une manifestation anti-gouvernementale. La marche s'est déroulée globalement sans incident majeur. L'insécurité et la criminalité ont connu une forte hausse en Haïti au cours de ces derniers mois, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans son dernier rapport sur la situation haïtienne. Timide reprise des activités au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince ce lundi. Pour la 5e semaine consécutive, l'administration publique n'a pas fonctionné, ainsi que les écoles. Une foule immense que certains spécialistes évaluent à des dizaines de milliers de personnes a arpenté les artères de Port-au-Prince, Delma et Pétionville hier dimanche dans le cadre d'une manifestation anti-gouvernementale. À l'initiative d'un groupe d'artistes dont Pierre Raymond Diver, connu sous le nom de King Kino, ainsi que Tidjo Zeni et Isolant, les protestataires ont appelé à la démission du chef de l'État Jovenel Moïse. « Il doit partir », a martelé King Kino, expliquant que la mobilisation des artistes n'a reçu aucun support financier du secteur privé. Il critique vertement les élites économiques qu'il considère comme les fabricants du système politique d'exclusion. King Kino plaide pour le changement du système qui a produit des présidents qui ne défendent pas les intérêts de la population. Il presse le président Moïse de se démettre, jugeant qu'il ne dispose d'aucun appui dans la société. Les églises, les étudiants, les artistes sont contre lui, insiste Kino. Par ailleurs, il dément les rumeurs faisant état de sa candidature lors de la prochaine présidentielle. Il rappelle qu'il s'est toujours impliqué dans la défense des droits des réfugiés haïtiens lorsqu'il résidait aux États-Unis. Tout le monde connaît qui vous dit ça, nous fait machin pour nous. Nous ne sommes pas capables encore, nous sommes capables encore. Nous bouquons parce que nous ne sommes pas capables encore. Je vais ici, le président n'a pas parlé, n'a pas dit nous. Pour le secteur public, nous ne sommes pas à l'école. D'ici, nous sommes soudainement français. Le président n'a jamais dit un mot. Nous sommes capables d'aller à l'école, nous sommes capables d'aller. Pour nous dire, nous ne sommes pas capables encore. Ce mouvement artiste qui est lié, nous ne sommes pas capables de voter sur le monde. Donc c'est exactement ça, nous venons là pour nous supporter. Nous avons un changement dans notre système, nous avons un changement dans le pays. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans nos pays, côté nous ne pouvons pas si nous gardons devant, si nous gardons derrière, sans projection, sans rien. Donc c'est peut-être ça, nous-mêmes artistes, nous disons pas nous tous. On sait qu'un artiste qui dit pas nous tous. Et je pense que ça, c'est un devoir lié. Un devoir lié. C'est pour tout le monde parler, c'est pour tout le monde dire ça, vous pensez. Parce que ça, lui-même, lui primordial, là, nous ne pouvons pas vivre dans nos pays, d'être en bas, un pays, côté personne ne peut pas fonctionner. Donc il faut que nous jouions nos solutions. Donc c'est pour ça. Nous-mêmes nous mettons dans la rue pour nous porter solution par nous qui se changent de contact.
Le pays entame ce lundi sa cinquième semaine de manifestations anti-gouvernementales. Les activités ont repris timidement ce lundi. Les supermarchés, les banques, le commerce informel ont recommencé à fonctionner à Pétionville et à Delma. Suite à l'appel d'un groupe d'artistes, des milliers de protestataires ont défilé dimanche dans les rues de la capitale pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse. Une manifestation qui s'est déroulée sans incident dans l'ensemble. Et pourtant, ce lundi matin, les activités commerciales ont repris peu à peu à Port-au-Prince. Que ce soit sur Delma ou à Pétionville, les commerces ont pour la plupart réouvert leurs portes. Banques, publiques ou privées, maisons de change ou encore les supermarchés, une nette activité est constatée lors de notre passage. Même constat pour les stations-service, qui de nouveau proposent de l'essence aux automobilistes de la capitale. Les transports en commun fonctionnent eux aussi, tout comme les mototaxis qui patientent en guettant leurs prochains clients. Mais qu'en est-il des écoles ? Alors que certains établissements, dont les programmes scolaires sont internationaux, se sont risqués à recevoir leurs élèves en toute discrétion, dans leur grande majorité, les portes des écoles haïtiennes sont toujours portes closes. Et pour cause, nous rencontrons deux enseignants discutant à l'ombre d'un arbre dans la cour d'un établissement vide, le lycée national de Pétionville. Un silence glacial et une affiche prévoyant une réunion des parents d'élèves pour le 28 septembre nous ramènent à la triste réalité. Dépités, les professeurs exposent leur propre vision des faits. Son irresponsabilité même, bon côté parents qui a décidé de mener un petit monde à l'école. Parce que si on est à l'école là, c'est pas comme si on a le libéral sur ton côté pour aller manger, ça apprend le libéral à apprendre. Donc il faut qu'il y ait un climat qui propice à Timounan pour qu'il y ait besoin d'un environnement qui permette qu'il travaille. Et Jean-Baï est là, il y a un Timoun qui apprend dans la salle de classe. Bon, moi, professeur, je ne peux pas apprendre rien pour Jean-Baï là. Les gens sont machines de fonctionnement que lui, eh bien, une fois que il y a des parties de la machine qui ont un problème, la machine n'a pas qu'à fonctionner. C'est comme ça qu'il y a tout. Quand on a la foi à monde qui est dans le système depuis 20 ans et observateur, pour moi, il y a toujours gaspillé. Même si on a pu monter descendre dans l'école, c'est ça qui est terrible. On a fait un monde monter descendre et puis un jeu pour nous rester à faire examen. L'école n'a pas, nous pas qu'à résumer l'école à ça. Effectivement, prendre le risque d'emmener ses enfants à l'école dans de telles conditions d'insécurité pourrait s'apparenter à du gâchis. Et le gâchis fait partie, selon eux, d'un système préétabli qui de toute façon ne mènera nulle part. Les élèves sont pris en otage, mais le plus grand mal est ailleurs. De quelle école parle-t-on ? Quel type d'enseignement souhaite-t-on donner à la future génération ? L'un des professeurs pousse même la réflexion plus loin. Mais je ne veux dire, on a dit, dans l'opposition, quand le peuple a campé, décidé de voter mon école, pour nous faire qui ça dans le moment ça là ? Qui condition réunie pour nous apprendre ? Apprendre qui ça ? Moi, c'est professeur. Lui, c'est professeur. Mais nous, je vous pose un problème ça. Chaque année, temps perdu. Et c'est une bague de parents, comme si on dit plus comme c'est l'école. Ça, on est l'école. Pour tout le monde, on a appris qui ça. Moi, je m'avais joué aujourd'hui à la enseigner. Nous échouons. Malgré nous, c'est des rescapés. Nous, c'est des rescapés. On a dit des mouns qui sauvent de justesse. Mais malgré tout, qui échouent. Parce que l'apprenti de kindergarten à philosophie, pour apprendre qui ça. Sauf que, année ça, bon situation de fait qui confirmait pas dans l'école, mais tout bagage d'apprentissage. Et du côté des marchés, les petites commerçantes ne sont pas en reste. Après ces nombreuses semaines de blocage, le chiffre d'affaires a baissé. Sans compter la hausse des prix de produits de première nécessité, forcément, on s'attend à ce que leur mine soit morose. Et pourtant, nous rencontrons cette marchande qui, pour la première fois, est allée manifester dimanche. Aujourd'hui, elle est plutôt positive. La rue est apaisée. Les affaires peuvent reprendre même si les clients sont peu nombreux. Ils sont quand même là. Bon, quand il y a aujourd'hui à un client, on a fait un petit bras quand même. Voilà. On fait un petit bras aujourd'hui à balader posé. Il est posé. On vient acheter, on vient nos matières acheter. Bah, on vient de la bien. Bah, quand tu vas aller à vendre, on vient. Quand tu vas aller acheter, acheter. On va prendre. Il y a un coup. Les gars là, tu comptes courir. On va prendre quelques coups parce que tu as acheté un bout de manger la caillou. On prend. Mais aujourd'hui, il aurait été solo. Il va aller là, il est posé. Port-au-Prince reprend des couleurs et continue malgré tout à fonctionner tant bien que mal. Mais c'était sans compter sur les premières barricades de pneus enflammés érigées sur la route de Delma en milieu d'après-midi. Les 2 millions d'élèves haïtiens devront encore prendre leur mal en patience, un sombre tableau, en sachant que nous entamons la cinquième semaine consécutive sans qu'aucune heure de cours n'ait été dispensée. Le retard s'accumule, et pour combien de temps encore ? Depuis plus de 5 semaines, l'administration publique ne fonctionne pas.
dans les ministères, notamment ceux de la planification et de la coopération externe, du commerce et de l'industrie, du tourisme, entre autres, les employés sont peu nombreux à répondre à l'appel. Rudolf Pierre-Louis et Elsie Dieulassin ont effectué une visite de ces différentes institutions. Suivez leur reportage. Après 4 semaines de paralysie totale des activités, pour cette nouvelle semaine, comment se présente la situation dans la sphère publique? À l'extérieur comme à l'intérieur de l'établissement, les usagers sont peu nombreux. Certains employés sont présents, mais la grande majorité manque encore à l'appel à la Direction générale des impôts. Devant les locaux du ministère de la Planification et de la Coopération externe, l'atmosphère est plutôt calme. Les petits commerçants sont là comme d'habitude, mais le contexte ne joue pas en leur faveur. Rencontrée sur la cour, cette dame évoque la situation de l'institution depuis des mois. Moi-même, je viens aujourd'hui, mais quelques employés viennent timidement. Mais il y a qui habite Carrefour, l'autre côté, il n'y a pas qu'à venir. C'est le problème pays qui n'y a pas qu'à venir. Qui plus est, ajoute-t-elle, nombreux sont ceux qui n'ont pas encore touché leur salaire. Nous n'avons pas touché depuis en septembre, mais nous sommes en octobre. Nous pouvons qu'on qui l'est, nous avons touché tout. Au ministère de la Justice, des Affaires sociales, de l'Économie et des Finances, le tableau est le même. À la rue Charles Sommer, là où se trouvent ces bâtiments publics, certains opposants au pouvoir en place ont érigé des barricades de pneus enflammés en milieu de journée pour tenter de perturber la circulation. L'un des employés aperçus sur la cour présente la situation. Nous-mêmes qui venons là, nous pas venons là dans le cadre de travail, nous venons là en tant que citoyens, nous venons là quand nous n'avons rien à régler, nous venons là. Même si ça n'a pas fonctionné. T'es un service légalisation ça, là, c'est quelques grains de monde qui viennent prendre un papier, même quoi que le ministère à 98% va fonctionner. À la rue légitime où se trouvent les ministères du commerce et du tourisme, il n'y a pas de barricade mais question activité, c'est l'encéphalogramme plat. Le constat est à peu près le même dans d'autres sphères publiques de la capitale. De nombreux employés sont aux abonnés absents. Après avoir visité plusieurs bâtiments étatiques, nous sommes parvenus à la conclusion que les activités ne fonctionnent pas, y compris la DGI et la douane, qui sont deux institutions qui contribuent grandement au budget national. Selon les observations, il est clair que l'État n'est pas encore en mesure de donner le ton. Elsie Dieulassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le mouvement de la troisième voie, MTV, continue de réclamer le départ de Jovenel Moïse. Dans une correspondance datée du 13 octobre, la structure politique s'est adressée au président Jovenel Moïse pour lui signifier que son intransigeance et son aveuglement le dépouillent de toute humanité aux yeux de la population souffrante. Démissionner comme la population l'exige serait un acte de grandeur, poursuit le MTV. Par ailleurs, le mouvement de la troisième voie a fait valoir que les brutalités policières lors des manifestations sont des ordres qui émanent directement du chef de l'État. Un chef d'État, c'est comme un père de famille. Il a démontré, je pourrais dire, pratiquement une sorte de mépris, il a été inhumain, une sorte de mépris par rapport à cette population qui, depuis un an, campait après les embrouilles. Il n'a pas jamais dit rien. Il n'a pas dit un mot. Comme de mépris, après des semaines de cris, il s'est délivré un message à 2h du matin. Ce type de pratique, ça a eu que la population n'a pas voulu encore. D'accord? Moi-même, aujourd'hui, on a vu le départ de nombreux chefs d'État. Moi-même, je crois qu'il y a des engagements éthiques. Notre engagement éthique, nous demandons le départ de Jovenel Moïse, c'est un engagement éthique. Mais en même temps, nous connaissons un parti politique, c'est vrai qu'il vise aussi la prise du pouvoir, mais un parti politique doit jouer aussi son rôle de vigile, un rôle de formation, un rôle de vigile. C'est-à-dire, c'est pour veiller. Il faut veiller que l'éthique ou défendre, non, l'éthique, ça respecter. Et notre éthique que nous voulons respecter, premièrement, c'est pour suspendre pratique mépris, suspendre pratique exclusion, suspendre pratique corruption, suspendre pratique prendre poste l'État pour uniquement question de privilège. Nous voulons d'autres pratiques. Et le MTV va rester dans cette position de vigile. Le MTV veut accompagner la population, en particulier les jeunes,
pour arriver à une autre façon de faire, une autre façon de penser, jusqu'à ce que nous commençons à gagner un autre pays. Le départ de Jovenel Moïse du pouvoir aujourd'hui est une nécessité. Mm-hmm. Ce n'est pas une obsession, c'est une détermination patriotique de nous autres comme acteurs et actrices politiques. Et c'est un engagement de la population qui demande beaucoup qui demande de la justice sociale, qui dit qu'il faut qu'il y ait l'État côté que le cas identifié là-dedans. Mm-hmm. Et Jovenel Moïse m'a profité pour me demander ça encore, mais que moi signé dans l'État, mouvement troisième pour demander, président, ou pas diriger rien encore. Vous montrer après 2 ans et 8 mois, que ou pas capable. Ou pas qu'arriver mettre un gouvernement jodi a, si moun yo pas ka continuer rete la kayo à cause que ou rete accroché à privilège pouvoir, ou pas même qu'arriver faire voter un budget après environ 2 ans et 8 mois de règne gain plus gabji administrative, ou pas ka délivrer sa côté promettre pendant campagne ou perdu confiance population hein, pour le pays. Mouvement troisième voie, mélanger voile avec voix. Chaque haïtien qui croit que je dis ou pas qu'à continuer de diriger ou pas identifié ou encore pour démissionner. Et nous attendons ni démission hein, le plus tôt possible pour que la vie reprenne, pour que la rue est capable de déblayer, si nous retournons à l'école et tout le monde capable à occupation. Passerelle, c'est le nom d'une structure proposée par plus d'une centaine d'organisations en tant qu'interface pour faciliter la passation du pouvoir. Ayant publié le 10 octobre dernier une déclaration commune pour un gouvernement de sauvetage national, l'ensemble de ces organisations propose une commission de 7 membres ayant une mission précise et un mandat n'excédant pas 1 mois. Dans son dernier rapport sur la situation en Haïti, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, fait état d'une hausse de l'insécurité et de la criminalité en Haïti au cours de ces derniers mois. Le rapport note une augmentation continue des activités criminelles majeures et des incidents liés aux gangs. Le nombre d'homicides signalés en 2019 a augmenté de 17% par rapport à 2018, soit 698 affaires ayant été recensées entre le 1er janvier et le 8 octobre, contre 594 durant la même période l'année précédente. Les 2/3 de ces homicides ont été enregistrés dans le département de l'Ouest, où la criminalité en bande est la plus importante. En outre, 34 policiers ont été tués entre le 1er janvier et le 24 septembre 2019, contre 17 pour toute l'année 2018. Cette montée de la criminalité rend certaines zones dangereuses, comme le quartier de Martissant à Port-au-Prince, où la population s'est mise à protester contre la liberté d'action laissée aux criminels armés qui sévissent en toute impunité et dans le complet mépris de l'autorité de l'État. Le rapport fait état également des difficultés de la PNH. Les services nationaux de police ont déjà grand-peine à s'acquitter des versements qu'ils doivent aux prestataires de services et à répondre aux besoins les plus élémentaires des policiers, dont les capacités opérationnelles sont par conséquent limitées et dont la direction se voit contrainte de faire des choix opérationnels difficiles. En dépit des contraintes, la police nationale a mené des opérations contre les bandes organisées. L'arrestation d'un chef de gang ignominieux le 22 juillet dernier a renforcé la confiance dans l'institution et a eu un effet positif sur la façon dont la population perçoit sa sécurité. Dirigé par les services de renseignement, avec un appui limité de la MINUSUST qui a déployé une unité de drones à cet effet, l'enquête a prouvé la capacité de la police nationale à planifier et exécuter des opérations. Depuis quelques semaines, les hôpitaux, aussi bien privés que publics, font face à une crise sans précédent.
La situation est très grave. Nous avons avec nous ce soir le docteur Franck Généus, président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti. Bonjour docteur Généus, bienvenue à Metro News. Bonjour Serge, et c'est un véritable plaisir, un honneur en fait, de pouvoir participer à cette interview, de pouvoir participer comme invité à Metro News. C'est ma première fois à Metro News, j'ai participé une ou deux fois à Le Point. Mais pour Metro News, c'est la première fois. Eh bien, magnifique. Il faut un début à tout. En tous les cas, merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Docteur, eh bien, commençons par le commencement. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dresser un tableau de la situation? Est-ce que vraiment aussi grave que Mfengdil? Il est possible que ce soit plus grave que ça. Moi, pas ces dernières fois que moi, j'ai eu l'opportunité pour me parler. Et que ce soit avec Métropole, que ce soit avec d'autres stations, et que ce soit à la télé ou à la radio. Et moi, t'ai partagé inquiétude de façon... Mais vraiment pressante, parce qu'en fait, la tournure que prend les choses est une tournure qui dépasse et juste les escarmouches qui étaient arrivées. Ça veut dire que des situations côté violence à fait et puis violence a touché une structure hospitalière. Là, ça va un petit peu plus loin. Moins estimé qu'il y a des situations de violence qui passaient au niveau des hôpitaux d'Haïti, qui sont des situations qui sont ciblées. Et ça nous inquiète. Ça questionne beaucoup de choses et tout à l'heure, nous allons en reparler. Maintenant, et on a parlé de situations ciblées. Donc, ça veut dire que d'après vous, ce sont des actions qui sont calculées, qui sont voulues. Mais qui ne sont pas... Est-ce que innocent est le mot, est le principal mot? Ils ne sont pas accidentels, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Et bon, un petit peu situé dans le contexte. Et peut-être qu'il y a un contexte que je peux apprendre, c'est par rapport avec, tu as dit formation, par rapport avec expérience moi, en santé publique, c'est ma spécialité. Une des choses en santé publique que nous savons qu'en général, les crises s'arrêtent aux portes des hôpitaux. C'est une constante au niveau d'une société qui fonctionne. Et 1998, j'ai eu l'opportunité de travailler comme médecin humanitaire avec une institution internationale, pas la peine de citer quelle institution, et je travaille au niveau du Sud-Soudan. Et le travail consistait justement à mettre en place un centre de santé dans un village en guerre. Je vous parle d'un village où je ne vais pas dire le sport national, c'est un petit peu trop cynique de le dire, mais l'habitude des gens, c'est d'aller de l'autre côté, massacrer leurs voisins, leurs voisines, etc. C'est comme ça que ça se passait. C'était une guerre civile atroce. Absolument, 20 ans de guerre à l'époque. Déjà à l'époque. Et nous, on arrive, on travaille avec la communauté, et le centre de santé, moi, j'étais très inquiet, jeune médecin, etc., par rapport à la sécurité, surtout que dans la philosophie, pas nous, on ne pas entrer dans le centre de santé avec ZAM. Mais très tôt, chef village-là, rassurez-moi, docteur, ne vous inquiétez pas pour cela, on s'en occupe. Pour moi, c'est un petit peu pédant, etc., parce que chef de village, il a son côté aussi, je me disais que d'autres personnes, etc. Mais il avait raison. À la porte du centre, la guerre s'arrêtait. La guerre s'arrêtait. Maintenant, là, nous vivons en Haïti, dans un pays qui n'est pas en guerre, et vous voyez l'une après l'autre, institutions et institutions de santé qui a attaqué. Et l'une des premières, pendant les dernières phases de cette crise, c'était l'hôpital du Canapé Vert. Ensuite, nous avons eu d'autres hôpitaux dans la zone métropolitaine. Et puis, les CAI, c'était le drame. Effrayant. Où gagnaient trois institutions qui directement est ciblées. Et une là-dedans, si j'ai bien compris, institution l'hôpital général des CAI a été visité deux fois par des personnes dont le but, la vision était justement de casser. Maintenant, comment on est capable d'expliquer ça? Nous capables d'expliquer le par deux choses. Si on apprend dans la logique de crise, là, la logique aiguë de cette crise, nous sommes capables d'abord faire une première explication, qui c'est l'explication de dire que durant cette crise, gagner peut-être une lecture, comment je pourrais le dire, une lecture, à mon humble avis, qui est une mauvaise lecture de la population. J'ai l'impression que quelque part au niveau de la population, on a oublié de comprendre que l'hôpital obligé bail service à tout le monde. L'hôpital obligé bail service à tout le monde. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que
nous bail service à ceux qui font des manifestations, mais nous bail service également à ceux qui, entre guillemets, répriment les manifestations, en tout cas à ceux qui sont d'un côté et de l'autre. C'est notre vocation, c'est notre responsabilité, c'est en fait le serment même que nous avons pris, nous bail service à tout le monde. Le problème, c'est que pour l'instant, ce qui se passe, c'est que moun nan kan sa, considéré que leur bail service à moun nan kan sa, c'est que au compte campal là, et li vin attaque ou. Et vice versa. Et c'est une première explication qui gagnait par rapport avec attaque qui gagnait au niveau de l'hôpital. Une deuxième explication qui gagne par rapport avec attaque qui au niveau de l'hôpital. Et c'est lui-même ces aspects ça qui est plus intéressant, qui est plus important pour moi et qui c'est une bagaille que moi en train d'adresser avec nos hôpitaux, c'est que cette situation questionne aussi le fonctionnement du système de santé tel qu'il a fonctionné cette dernière décennie. Concrètement, une grande partie de la population ne se reconnaît pas dans son système de santé. Une grande partie de la population questionne le fait que son système de santé est à son service. Et ça, c'est très grave. Quand je dis c'est très grave, je ne suis pas en train de dire que la population est bête, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Je suis en train de dire justement que la population nous demande de nous questionner, est-ce que l'organisation que nous avons mis en place, est-ce que les systèmes de production de soins que nous avons mis en place répondent à leurs besoins. Besoin de la population. En fait, concrètement, Mounio dit li que les vins dans l'institution, les vins dans l'hôpital là, ils n'ont pas nécessairement joint service à tort ou à raison. Mais est-ce que c'est pas un peu vrai? C'est une vérité, mais une vérité qui a une base que nous n'avons pas analysée suffisamment. Moi, c'est président et association des hôpitaux privés d'Haïti. Et qui dit hôpitaux privés, dit institutions de santé qui pratiquent ça nous relève le recouvrement des coûts. Ça veut dire qu'il y a l'obligation de récupérer le coût de production de services que y a gagné. Et ça, c'est un gros défi en soi. Et moi, je dirige une institution hospitalière, l'hôpital Adventiste d'Haïti. Si je vous dis quel est le montant du payroll mensuel de notre institution, vous pouvez comprendre que il faut absolument que nous assurions que coût ça a eu récupéré pour que ce soit par rapport à l'obligation que nous gagnons vis-à-vis de personnel, nous, que ce soit par rapport à l'obligation que nous gagnons par ailleurs, l'eau, l'électricité, la technologie que nous mettons en œuvre, parce que c'est de ça dont il s'agit. L'hôpital, c'est une maison technologique. Ce n'est pas autre chose qu'un hôtel que vous transformez en espace qui a suffisamment de technologie pour permettre que le docteur a fait travailler bien, pour permettre que le malade là trouve un espace non seulement confortable, mais aussi bien équipé pour capable accompagner ça. Et tout ça, heureusement ou malheureusement, coûte de l'argent. Le problème avec le système de santé haïtien, c'est que c'est un système de santé qui a choisi la plus mauvaise stratégie de financement possible, qui est ce qu'on appelle le paiement à l'acte. Meilleur système de santé qu'on a gagné, son système de santé côté moun payé pour santé avant que le malade. Parce qu'à partir du moment que moun est en situation de crise et d'urgence, il n'est pas certain que moun sa lui-même li gagne capacité, li gagne répondant, ou bien répondant en créole, pour le capable de faire face à lui-même. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand moun nan gagne besoin de services de santé et que li vini dans le système de santé à la fait demande de soins dans l'urgence et dans la frustration, les angoisses que gagne, etc., moun nan, pendant que moun nan pas de capacité pour y penser à tout aspect administratif et financier, en même temps, institution hospitalière là obligé lui-même faire face avec ses obligations. Donc là, où vient gagne un déphasage entre position malade là, qui lui-même estime que, ne serait-ce que pour des raisons humanitaires, il a droit à la santé, et position institution 1, qui, en tant qu'institution, a l'obligation de recouvrir ses coûts. Oui, mais c'est ce qu'on appelle dans les pays organisés la sécurité sociale. C'est de ça dont nous devons parler. Que chaque mois, on paye au petit bagage et au cas où, et puis le arrivé pour le prendre service. C'est justement ça qui est questionné. Mais il n'y a pas de couverture sociale en Haïti. Nous avons que 4%. 4% de la population? On va dire 5%. Bon, c'est moins que 5% de la population qui est couvert par une forme quelconque d'assurance dans ce pays. Donc, il y a 95% de la population qui n'a pas de couverture. Qui est livrée à elle-même. Exactement. Donc, depuis le malade,
C'est lui-même qui peut dégager. Les, et on rentre souvent dans un cercle de pauvreté avec des nous appelons ça des naufrages financiers qui sont dus à la question du financement de la santé. C'est pour cela qu'au niveau de l'association et au niveau de toute structure de santé, nous en appelons à la couverture universelle de santé. Mmh. Il faut qu'on arrive, et je précise ma pensée, il faut qu'on arrive. Je ne suis pas en train de parler de vœux pieux. Mm-hmm. Je ne suis pas en train de faire une liste de désirs que nous voudrions voir, etc. Mm. Si crise ça pas accouché de solutions vraies, nous aurons passé encore une fois à côté d'opportunités extraordinaires que nous avons de nous questionner et nous ayons questionné de donner les solutions aux problèmes que nous avons identifiés. Oui, mais docteur, excusez-moi de faire parallèle ça, mais quand vous pensez que gros États-Unis d'Amérique... Aux États-Unis, c'est un choix. Aux gros États-Unis d'Amérique, M. Obama a essayé de créer à une époque où il y avait quoi 54 millions d'Américains qui n'avaient aucune protection. OK? Yeah. Et le M. Trump rivait, premier va à l'écraser. C'est ça, Obama a essayé de faire. La sécurité sociale française, on cite souvent la France et le Canada comme pays qui ont un bon système de sécurité sociale. Mais depuis qu'on aime petit monde, la sécurité sociale en France est déficitaire. Oui. Oui. Donc, comment imaginer dans un pays aussi pauvre qu'Haïti, qui n'a pas cette habitude, qui a 95% des gens qui n'ont aucune couverture, protection et médicale, qui jouent pour le fait ? Pour mettre en place la couverture universelle de santé. Alors, on prend deux exemples qui sont bien contents, ces deux exemples à l'extrême que vous voyez. Aux États-Unis, c'est un choix. Et en fait, ce qu'on attaque, ce n'est même pas l'idée que toute personne soit couverte par une sécurité sociale, c'est l'idée que l'État gagnait pouvoir ou pas, pour exiger de citoyens pour lui acheter une assurance. En fait, ce qui est contesté aux États-Unis par les politiciens, ce n'est pas le fait que les gens soient couverts, mais c'est le fait que est-ce que l'État a droit pour exiger monde pour le couvrir. Vous savez que la démocratie américaine a été construite autour de l'idée d'une liberté individuelle le plus maximum possible. Et il y a un peu de monde qui ne connaît pas. La constitution américaine a été fondée pour protéger le citoyen contre le gouvernement. Donc plus il y a du gouvernement dans la démocratie américaine, plus les citoyens ne se sentent pas à l'aise. Donc ce qui fait que la question de couverture sanitaire déficitaire aux États-Unis, techniquement c'est un choix politique. Oui. Je ne vais pas commenter ce choix, mais c'est un choix. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables, mais ils ont choisi, à tort ou à raison, on s'arrête là. En France, la couverture, la sécurité sociale, elle est déficitaire, tant et si bien que les dernières. Et est obligatoire. Elle est obligatoire. Et les derniers gouvernements et français, ils sont généralement à droite, même si actuellement on ne sait pas où se trouve le gouvernement actuel. Mais bon, ça n'engage que moi. Et ce sont des gouvernements qui essayent justement de revoir comment s'organise ce système de sécurité sociale. Et qui globalement essaie de faire entrer le plus de privés possible dans cette couverture, en fait, dans cette nasse de sécurité sociale. Mais là aussi, et dans les pays occidentaux, il y a aussi un autre choix, qui est le choix de la... C'est pas de la facilité, mais d'une certaine forme de médecine qui est une médecine extrêmement efficace. Nous parlons de l'un des pays avec le système de santé le plus efficace, et ça, c'est l'OMS qui le dit très régulièrement. Le système de santé français est considéré comme le meilleur système de santé au monde, mais qui fait aussi le choix d'être d'une générosité qu'il est difficile pour les gouvernants de gérer. Ça a été une bataille sociale, ça a été une conquête sociale telle que très peu de très peu de gouvernants en France a le pouvoir de dire nous allons changer ça. Et qui entraîne des abus. Et qui entraîne des abus, c'est ce que je voulais dire. Rien n'empêche à ce qu'un système de santé soit organisé suffisamment bien pour qu'elle soit efficace tout en étant efficiente. Il n'y a absolument rien qui empêche cela. En fait, il n'y a absolument rien qui empêche d'avoir un système de santé qui peut même être rentable. Et c'est, d'ailleurs, c'est la proposition que nous faisons, que ce soit à l'État haïtien, mais à la population haïtienne en général. Je vous donne un exemple très simple concernant Haïti. Les chiffres que nous avons par rapport à Haïti, un chiffre que nous avons, c'est un chiffre faramineux, c'est 30 millions de dollars.
30 millions de dollars, je vais dire par année. Très franchement, je ne me souviens plus si c'était par année ou par mois, mais on va rester par année. Mm-hmm. Qui quittait Haïti, qui allait qui bon, cal Cuba, cal Porto Rico, cal Miami, pour des gens qui vont prendre des services de santé en dehors d'Haïti. Dans la grande Parce majorité... Parce que vous rejoignez sur place, évidemment. Non, c'est ça le drame. Dans la grande majorité des cas, ce sont des services disponibles en Haïti. Ah. Mais en Haïti, il n'y a pas suffisamment de confiance dans la production de services et de soins que des personnes qui le peuvent choisissent d'aller dans l'endroit ou dans les espaces où ils ont suffisamment de confiance pour donner leur argent et avoir une médecine auquel ils croient. Ça veut dire la question, c'est une question, est-ce que je crois dans cette médecine? Est-ce que la médecine haïtienne n'a pas perdu de sa capacité à donner confiance suffisamment à ceux qui ont la capacité en Haïti pour venir prendre service au niveau de l'espace haïtien. On a beaucoup de façons de voir ça. Et, je veux dire, on parle de propositions pour le futur. Nous parler de couverture universelle en santé, nous parler de système de santé, à qu'est-ce que nous allons en faire, et une avenue qu'il va falloir explorer, c'est l'autonomie des institutions de santé. Des grandes institutions de santé de ce pays doivent être rendues responsables du travail qu'ils font et doivent être rendues professionnelles par rapport à ça. L'hôpital général, c'est un désastre. C'est une plus grande l'hôpital général de Port-au-Prince. C'est la plus grande institution que nous gagnons, qui m'a dit en pile quoi pour faire fonctionner. Mais c'est tellement politisé qu'elle n'arrive pas à fonctionner. Et pour dire à mon cap travailler là-dedans, pour dire à mon cap diriger l'IO, il a pris entre plusieurs feux et fin, il n'y a pas qu'à valider. Autre proposition que nous voulons faire, c'est un vrai partenariat public-privé. Actuellement, je le dis et c'est comme ça que je le vois, que notre système de santé, c'est un système de santé à deux vitesses. C'est comme si nous gagnions deux systèmes de santé. Un système public, avec supervision du ministère, un système privé, avec une supervision, mais nettement moins prononcée, supervision et support d'ailleurs. Moi, je dis, il faut un seul système de santé avec les mêmes obligations pour les institutions, même si les modèles d'affaires sont différents, mais il nous faut un seul système de santé. Ça, c'est une autre proposition que nous voulons faire. Une autre proposition que nous voulons faire, c'est que dans la démarche même de la refonte du système de santé, nous voulons, et c'est pour cela que, personnellement, moi aussi présent dans les médias, dire que la voix de la société civile est importante. Il faut écouter ce que la société civile en santé a à dire par rapport à ce que nous allons faire avec notre système de santé, comment nous allons réorganiser notre pays ou bien notre communauté autour de la nécessité de donner accès à tout citoyen à des services de santé. Ce sont des propositions, c'est pas des propositions que nous déjà, d'ailleurs, c'est pas quoi des propositions que nous faisons formellement, mais ça fait partie de discussions qui a faites yo par rapport à ça. Ce sont des avenues que vous avez ouvertes. Je voudrais quand même reprendre très rapidement. Vous avez posé le problème général de la couverture médicale et de la sécurité sociale en Haïti. Mm-hmm. Ça, c'est un sujet qui mériterait à lui seul plusieurs journée de débat sur les différentes propositions, mais vous avez commencé par tirer la sonnette d'alarme sur le cas dramatique des attaques qui sont menées contre les hôpitaux et les cliniques de ce pays. Et c'est là qu'il faut vraiment faire prendre conscience à l'ensemble de la population que s'attaquer à un hôpital, empêcher les médecins de venir travailler, empêcher les ambulances de passer, de rentrer, de commettre des actes de viol à l'intérieur d'un hôpital, sont des pratiques qui, au bout du compte, ne peuvent que se retourner contre leurs auteurs et contre l'ensemble de la population. Il faut respecter les hôpitaux. Dans tous les pays du monde, les hôpitaux sont respectés. Dans tous les pays du monde, les ambulances sont respectées. Dès qu'un véhicule a une croix rouge sur fond blanc, c'est respect. Avec aussi cette particularité que, comme vous le signaliez tout à l'heure, les médecins et les hôpitaux sont là pour tout le monde. En temps de guerre, on accueille aussi bien ses propres soldats que les soldats ennemis. Absolument. Docteur, merci infiniment. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Merci. Nous éclairer sur ces questions. Je suis sûr que beaucoup de gens n'étaient pas vraiment conscients de l'étendue de
l'état de... Tout à fait. Il y a tellement de choses à dire sur le système de santé. Il y a tellement de choses à dire sur ce qui se passe actuellement que je vous remercie pour ce petit moment. On n'a pas tout dit. Non. Mais c'était un plaisir. Vous avez ouvert plusieurs portes, entre-ouvert plusieurs portes. J'ai l'impression que là, nos téléspectateurs doivent commencer à se poser des questions. C'était un plaisir. Je serais ravi de vous accueillir une autre fois. À ce moment-là, on choisirait un thème. On irait un peu plus en profondeur. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, c'était le docteur Franck Généus, président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.